je suis à terre et tu sais ce qu'il me dit ? Il me dit qu'en fait, ça fait 6 mois qu'il couche avec elle. Mais c'est génial ! Mais ta touillette, c'est une réédition 98 d'Orangina avant la période orange sanguine. Je te la prends ? Ah non, mais c'est pour ma collègue. Je m'appelle Olivia, j'ai 33 ans, je suis célibataire et je suis atteinte de collectionnite. C'est-à-dire que je collectionne tout le temps. D'ailleurs, si je pouvais avoir un petit DVD là, de l'interview, ça serait vraiment très très cool. Je viens ici tous les matins, comme ça il y a moins de monde. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder d'abord à l'œil. Là, j'ai trouvé une petite capsule et ça, moi, je garde. Tout ce qui est frites usagées, je garde. Ah, celle-ci est cassée, mais bon, je pourrais la recoller éventuellement. Waouh ! Non, mais attendez, incroyable, là. Venez voir, je crois que je tiens un truc. Des excréments de Yorkshire Driche. Alors, le Yorkshire Driche, c'est un chien de race japonaise, c'est un croisement, en fait. Je suis Olivia depuis la petite enfance. Son grand-père est décédé d'une crise cardiaque pendant qu'il lui racontait l'histoire du petit pousset. Alors, elle a commencé tout naturellement ses collections par les petits cailloux. Et avec le temps, son traumatisme s'est étendu à tout ce qu'elle touche. Bon, bah voilà, je vous présente mon petit royaume. Mon petit... ma collègue, quoi. Kim, vous les avez mis où, les rouleaux de papier WC ? Je les ai jetés à la poubelle, madame. C'est pas vrai, vous avez pas fait ça ? Ils étaient terminés, madame. Ils étaient terminés, madame, Kim. Vous avez touché à rien d'autre, Kim, là, parce que... C'est une maladie qui rentrait seule. Puisque le patient s'intéresse davantage aux objets qu'aux personnes. Alors, je suis célibataire... Célibatante, comme on dit. Mais bon, je collectionne quand même les petites aventures. Hein, Bah voilà, ça, c'est mes petits cahiers d'amour. Donc là, je suis en train de le continuer. Je colle tout, mes souvenirs. Bon, ça, c'est Julien, les cheveux. Je garde tout. Parce que c'est vrai que en fait, mes collections me prennent pas mal de temps, en fait. Et parfois, bon, ça m'arrive de rêver, quand même. Et de me dire que peut-être qu'un jour, un homme sera charmé, voire touché par ma maladie. Mais bon. En attendant, je continue à prendre soin de moi. Je vous fais un terre-fessier aussi ? Oui, oui. Ah, par contre, vous jetez pas les poils, hein, c'est pour ma collègue. Carte bien les fesses. Abonne-toi. Moi, je me suis déjà abonnée. Je collectionne tous les tags, j'adore. J'imprime chaque image de chaque épisode et je les affiche sur mes petits cahiers d'épisodes que je mets dans mes petits cartons de cahiers d'épisodes.